Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est parti pour le tirage au sort du concours du coup que j'avais organisé pour Pâques. Comme vous pouvez le voir derrière, du coup j'ai mis tous les lots qui étaient à gagner et on va jouer cela pas comme à l'habituel, pas par un tirage au sort, on va jouer cela au pic Pikachu. Autant rendre cela un peu plus amusant. Voilà, hop. Donc du coup c'est parti, vous avez été quand même 22 parce qu'il y en a des personnes qui se sont rajoutées à participer, donc je suis vraiment super contente. Hop. Non, c'est bon. Là c'est bon. Alors pour les personnes qui se demanderont où est-ce que je l'ai acheté tout simplement, voilà, je l'ai commandé au Japon. Non, c'est bon. Hop. Tadam. Pas déjà? Non, bon, il y en a combien? Il y en a 4. Est-ce que... Oui, les amis, il y a des personnes qui avaient choisi le numéro 4. Alors, est-ce que vous étiez plusieurs ou pas? Eh ben oui, en fait, vous étiez plusieurs, du coup, à prendre le numéro 4. Donc, du coup, vu que vous étiez plusieurs, on va faire la seconde manche. Alors, la seconde manche se joue... D'accord, donc là, par contre, ça va être des gros chiffres. Hop, ça va être des gros gros chiffres, donc j'espère vraiment que ça va tomber pile poil sur, sur un numéro, parce que sinon ça va être chaud. Hop, tac, on va tourner. Hop, tac, 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 on retourne, hop là, voilà. Bon, alors du coup, les prochains numéros sont 10, 10 et 14. Donc j'espère vraiment qu'il va sauter au 10e. Je vais croiser les jeux. Non, c'est pas juste. Dès le premier, quoi, c'est pas juste. Non, 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 non. C'est pas possible. Faut que tu recommences, Pikachu. Faut que tu recommences. Hop, tac. Hop, 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 hop. Là. Là, là, là. Là, c'est bon. Donc il faut absolument qu'il saute soit au 10e, soit au 14e. Et ça va être chaud. On croise les pattes. C'est possible parce que j'ai déjà réussi à mettre quasiment tout sans le faire sauter. Là on est à 3e. 4e. C'est bon. 5e, on va la mettre là. C'est bon. 6e. 6e, 6e, 6e. Là. Non! Non, 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 non. Ah, mince. Là, c'était à la 6e. Bon. Tac. Eh ben, on refait. Il faut absolument que ça soit numéro 10 ou 14. Pour délimiter. Je crois que la prochaine fois que je ferai un concours, je mettrai peut-être un peu moins. Ou vraiment sur des petits numéros. Hop. Tac. Voilà. C'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on se rapproche, 7, plus que 3, plus que 3, plus que 3 et on pourra avoir peut-être un gagnant. 7. 8. 9. 10. Oh là là, 10. 11. Oh la vache. 12. 12. Allez, rentre ici. Rentre là. Ah. Bon, c'était le numéro 13, sauf que personne n'a choisi le numéro 13. Oh là 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 là. Bon, ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Rien que déjà pour le premier prix. Hop. Hop, hop, hop. Il faut absolument que ça tombe soit sur le numéro 10, soit sur le numéro 14. Bon.
Hop, on enlève, on tourne un peu ce qu'il y a dedans. Et on remet. Youhou! Alors, un. Non! Non, non, non. Hop. Bon, alors attendez, du coup la vidéo se fera sur plusieurs coups. Non. Bon. Bon, du coup, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer, je vais faire plusieurs parties, quitte à faire un moitié un montage dans la vidéo pour tomber jusqu'au dixième. Donc, c'est parti. On va... Non, mais pas déjà. Pas déjà. T'as pas compris qu'il faut que je sois sur le 10 ou le 14. Méchant Pikachu. Là. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 12. 13. Mais pourquoi c'est toujours sur le 13? C'est soit le 10, soit le 14. Ah, la galère. Bon, c'est pas grave. On recommence. On va y arriver. Hop. Bon, les gens, on va y arriver. Allez, hop. Du coup, j'ai laissé que 15 fléchettes sur le côté. Comme ça, au moins, on peut facilement savoir. Voilà. Je peux facilement savoir en combien de fléchettes il me restera avant que ça saute. Et je vous assure que j'aimerais bien que ça saute le plus tard possible. Pique Pikachu, pique-moi les fesses. Oh putain. Ouh la vache, j'en dis des gros mots quand même. Bon. Ouh, c'est bon. Il en reste 2, 4, 6, il en reste 7. On va y arriver. Ouh, il en reste 6. Ouh, il en reste 5. Il faut que j'en mette encore au moins 3. Pour qu'il y ait un gagnant. Au moins un gagnant. C'est bon. Je vous assure que c'est très stressant. C'est bon. Donc, soit le numéro 13 sera gagnant, soit j'espère le numéro 15. On va la mettre là. J'espère qu'il va pas sauter au 14, quoi. Non. Numéro 15. Donc si je serais toi, Black Ghost Gaming, je croiserais vraiment les doigts. Parce que voilà. J'ai envie de la mettre en haut, mais je sais pas où. Je vais la mettre là. Eh ben, félicitations à toi, Black Ghost Gaming. Tu viens de gagner le premier prix. Ça a été dur, je peux même pas vous dire le nombre de fois que je l'ai recommencé cette partie parce que c'était vraiment pas facile. Vous aviez choisi des gros numéros, donc c'était vraiment très 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 dur. Donc félicitations à toi. Je te remontre du coup ton lot. Donc le premier lot, c'était un tripack soleil et lune avec du coup un jeton Genesect et la carte promotionnelle Togedemalo. Je voulais à la base prendre avec la carte promotionnelle Flamyaou, mais malheureusement il n'y en avait plus, avec le badge Mew et un chewing-gum Pokémon. Voilà, donc c'est parti maintenant pour le deuxième prix. Donc félicitations aux gagnants. Maintenant on va passer du coup au second prix. Hop, c'est reparti. Alors 1 2 3 4 5 6 si, de toute façon je l'avais mis là. 7. 8. 9. 10.
11. 12e. Alors oui, nous avons un gagnant pour le 12e. Un ou plusieurs gagnants? Plusieurs gagnants. Vous êtes 3 à avoir choisi le numéro 13. Donc du coup, c'est parti pour la petite revanche pour savoir qui c'est qui va gagner réellement le troisième prix. Alors, qui va réellement gagner le deuxième prix? Excusez-moi. Oh là. Qui va réellement gagner le deuxième prix? Hop, donc ça va se jouer entre Ordex, Delta Play et Noctali 121. Donc je vous souhaite à tous bonne chance. C'est parti. Donc alors, je dois réussir à faire sauter le Pikachu soit à la troisième, soit à la huitième ou soit à la vingtième. La vingtième, personnellement, je ne l'ai jamais faite. Donc ça va surtout jouer en 3 ou 8. Là, c'est un peu plus faisable. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7! Non! Ça va pas recommencer! Il me faut absolument soit 3, 8 ou 20. Je vous assure que j'en fais des parties. J'en ai jamais fait autant de parties de Pic Pirate, hein. De Pic Pikachu. Hop! On tourne, on tourne, on tourne. Hop! On enlève, on retourne. On remet et on retourne. Voilà! Comme ça. Alors, 3, 8 ou 20. 1, 2, 3, 4. Non! Non, 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 non. Allez. Hop. On va y arriver. Hop. Hop là. Alors, bon, on va y arriver quand même. 1, 2, 3. Il est là, il est là, je l'ai fait. Oh, quelle cruche! On va y arriver, on va y arriver, on va avoir un gagnant pour ce deuxième lot. Hop. Eh ben, c'est tombé. Le Pikachu a choisi. Donc, il y avait bien quelqu'un qui avait choisi au bout du troisième. Et c'est du coup Ordex. Donc, Ordex, je te félicite pour ce deuxième prix. Hop. Tac. Donc, n'hésite pas à me contacter. Donc, hop, le lot que tu as gagné. Donc, c'est le deuxième. Donc, c'est les deux boosters à l'effigie d'Oratoria et de... et Flash, Archiduc, excuse-moi, avec du coup le joli petit badge Meowth et un chewing-gum Pokémon. Tchouk! Donc félicitations à toi, hop, et n'hésite pas du coup à venir me contacter soit en message privé, soit sur la page YouTube de la chaîne en m'envoyant un message privé pour qu'on puisse voir ça ensemble, pour que je puisse te l'envoyer dans la semaine. Voilà, donc on commence maintenant le troisième prix, le troisième et le dernier. Oh, je croise encore les patounes pour vous, hein. Hop, tac, et je vous assure que c'est... Au final, tellement un petit peu chiant à faire que je me demande si ce sera pas la dernière fois parce qu'il faut que je fasse énormément de parties. Je pensais pas que ça allait être, mais c'est quand même plutôt sympathique au final. Donc j'apprécie quand même, je m'amuse, je m'éclate. Donc c'est reparti. Alors. Pique Pikachu, pique-moi la fesse. Pique Pikachu, pique-moi dedans. Mets-moi une flèche bleue, mets-moi une flèche violette et une rouge. Et une rouge, et une jaune, et une jaune. Pic, 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 Pikachu. Alors, je m'améliore. Je m'améliore. C'est pas facile. Faut savoir que le pic pirate, en fait, en français, vous pouvez pas tourner le mécanisme qui est à l'intérieur. J'ai cru qu'il allait sauter. Donc, en fait, c'est un peu chiant. Une fois que vous avez trouvé où est-ce qu'il est, vous pouvez pas le changer, en fait. Tandis que lui, vous pouvez changer. Il est jamais au même endroit. Pic Pikachu, pique-moi les fesses. Pic Pikachu, pique-moi les fesses. On est bien parti. On est bien parti, on est bien parti. On est un peu trop bien parti d'ailleurs. C'est bon, j'ai...
j'ai trouvé où est-ce qu'il était. Alors, du coup, je sais même pas, j'ai même pas compté le nombre de flèches. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, les amis. Alors, est-ce qu'on a un lot du coup? Quelque chose avec le numéro. Ah, personne n'a choisi le numéro 16 en premier, donc vous me forcez à refaire une autre partie. Ah là 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 là. Pour une fois, j'étais bien partie, franchement. Hop. Alors, hop, on va tourner le mécanisme à l'intérieur. Tac. Pic Pikachu, pique-moi les fesses. Pic Pikachu. Une. Deux. Non, là c'était minable, je vous avoue. Mais bon, bah je l'ai fait sauter à deux. Donc voilà, même si je vois le mécanisme bouger, voilà, je vais pas dire bon bah je le mets pas là parce que je sais que voilà, sinon ce sera triché. Donc il y a bien quelqu'un qui a choisi le numéro 2 d'ailleurs, c'est la seule personne. C'est la seule personne ayant choisi le numéro 2 et c'est Beth Wayne. Donc félicitations à toi Beth Wayne. Titi, donc ce que tu as gagné du coup le booster Luna la scellée avec la petite carte promotionnelle Togedemaro que j'ai mis sous protection, le pins, enfin le badge Mimiki et du coup le chewing-gum Pikachu. Voilà, donc félicitations à vous tous, félicitations à tous les gagnants. Surtout n'hésitez pas du coup à me contacter donc. Soit vous m'envoyez un message sur YouTube, soit vous m'envoyez un message sur la page du coup YouTube de la chaîne. Et surtout, vous me contactez le plus rapidement possible, car si vous ne me contactez pas dans la semaine, et ben malheureusement, il faudra que je remette en jeu du coup les lots et ce serait quand même dommage pour vous. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je me suis bien éclatée, mais ce sera peut-être la dernière fois que je le ferai comme ça, même si c'est une façon de faire différente. Après tout, c'est quand même plutôt pas mal. Ou de faire les premiers numéros du coup au Pic Pikachu et après de faire un tirage au sort. Je pense que je ferai peut-être plutôt ça. Donc voilà, je souhaite encore une fois félicitations aux gagnants. Contactez-moi très vite. Et surtout, je vous souhaite une joyeuse Pâques. Au revoir et bonne journée à tous.